toujours un des deux qui est OK. Okay. Alors. Alors quoi? Alors. Bah alors. Alors voilà. Mais ouais, c'est comme ça. Ok, c'est bon pour vous aussi. Alors, ça c'est ok, je ferme la vitre. J'ai mis la ventile là-haut. Attends, excuse-moi, je vais mettre un peu de ventile là aussi si ça prend un peu l'air. Pour enlever la buée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Le son est assez faible. Ah, ça y est, là il est bon. Ah, okay. Ah, c'était moi qui fermais tout le monde là. Ah, ah ok. Voilà, bah ça y est, c'est bon, maintenant j'ai trouvé, c'est nickel. Je le pompe, oh. Voilà. Je t'entends. Ah, bah ça y est, c'est bon, tout au fond, tout au fond. Yonne, synchro. 5 points de rosée plus 5, QNH 1026, unité 026. Attention, visibilité dégradée au seuil 35. La zone 402 Peugeot est active avec du parachutage en cours, indique l'information ECO reçue au premier contact. Avignon Ottawa, good morning, ECO information recorded at 0945 UTC. RNP procedure followed by the VPT for runway 35 in use, runway condition code 666, wind calm, visibility 5 km, cloud view at 200 feet, the temperature plus 5, dew point plus 5, QNH 1026, be advised, visibility downgraded at the threshold runway 35. Area 402 Peugeot is active with dropping in progress. C'est ECO information receive at first contact. Avignon, bonjour, information ECO enregistré à 9h45 UTC, procédure RNP suivie de la VPT pour la piste 35 en service, code condition piste 666. Vent calme, visibilité 5 km, nuage view 200 pieds. Température plus 5, point de rosée plus 5, QNH 1026, unité 026. Attention, visibilité dégradée au seuil 35. La zone 402 Peugeot est active avec du parachutage en cours, indique l'information ECO reçue au premier contact. Ok, bon, bah c'est bon, ECO 1026, 200 pieds, il y a du fiou. Ah, ben eux, ils vont à Gap, la matière. Ouais. Ouais. Ah, oui, ils voulaient de nuit hier soir, ouais. Ils étaient de Gap, en fait, ils ont passé la nuit ici, ils rentrent chez eux. Alors, les Mike Frères, on arrive Whisky pour un retour des installations et une ou deux évolutions en exercice d'autorotation entre Whisky et l'hôpital. Reçu, pas de soucis, et eh bien rappelé pour la base main gauche piste 35. On rappelle base gauche 35 et les Mike Frères. Levez le cache. Bon là j'ai levé le cache. Batterie, c'est quoi? C'est la batterie de l'avion qu'il faut couper pendant 10 secondes, c'est ça? C'est nouveau ce truc là, tu sais? Batterie off pendant mini 10 secondes, ouais, je sais pas, bah, coupe-le. Avignon sol, Watazo. Ah, toi tu vas tout couper le. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Pas... Pourquoi ils ont mis ce truc là? Je sais pas, c'est pour vérifier. Peut-être qu'il y a un truc de secours pour vérifier qu'elle marche, je sais pas. Reçu, 70-47 au transpondeur, roulé pour le point d'attente, bravo et rappelé prêt sur 122-6. 70-47, rappel prêt, bravo, à ta droite. Tout confort à l'arrière quand t'es tout seul. Hein. Ah oui, c'est bien. Ah oui, là, c'est clair. Alors, 265-012. Ok, c'est parfait. On fait une sortie par les gorges de Hannes, que tu lui dis. Ouais. Tu lui dis par Bétamis. Non, tu vas comme tu veux, voilà. Ouais. Mais là, effectivement, on part direct, ou par écho, enfin, ouais, c'est quasiment. Là, tu te fais ta vie, hein. Okay. Tu te fais plaisir, mon chéri. Ok, ok. Ça, on peut les chauffer.
maintenant. Ah, au bout de 2 minutes, tu peux être à 1400 tours maintenant si tu veux. D'accord, ouais, c'est ce que j'ai vu sur la check, je vous ai pas trop tiré dessus. De toute façon, là, il est 10h48, donc on a le temps. Hein. Oh oui. Nous improvisons un petit vol d'une heure. À la minute près, au moment du décollage, au moment du toucher. Oh, bah, il doit falloir une heure avec celui-là pour y aller de toute façon. Hein. Ah bon. Je vais lancer le chronomètre et tout, on va voir ça. Ah tiens, si je lançais SDVFR, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, moi j'aime bien, ça te donne toutes tes heures. Tu vois, ça fait passer pile entre les deux. C'est écho le plus proche. On va prendre écho alors, comme ça, ça m'oblige aussi un petit peu de... Ouais, voilà. Là, je l'ai mis, j'ai fait un goto sur Sierra Alpha, sur le point Sierra, voilà. D'accord. Ah, ça y est, j'ai retrouvé SDVFR. C'est fabuleux. Ah, il est génial ce petit truc là, oui. Bah, pendant 2-3 vols, il m'avait lâché. Ah bon? Ah ouais, en fait, il détectait plus le GPS ou je sais pas. D'accord. T'as pris le ramètre? Oui, 265-012, ouais. J'attends l'heure de roulage. Ah non, c'est pas ça, c'est 2650.272. C'est Cotongo depuis, bravo. Tu m'as dit 265.072. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ah mais je rigole. Je remonte la piste 35 et je rappelle aligné après, Fox et Cotongo. Ouais Cyril, va bien? Ça va ouais. En pleine forme? Ça va faire son rappel là, son troisième rappel. Ah moi je l'ai fait il y a pas longtemps. Faut que je prenne rendez-vous pour moi aussi. Valérie elle a eu... Il y en a pas mal qui ont eu mal au troisième. Mais ouais, mes parents par exemple. Là. Les deux premiers, mes parents, ça leur a rien fait. Mais le troisième, quelques petites douleurs. Et moi j'ai à peine eu mal au bras, je l'ai à peine senti. Voilà, ça m'a quasiment rien fait. Ok, c'est tout bon. Avignon Sol, Fox, Tango Novembre, bonjour. Bonjour Tango Novembre. Bonjour monsieur, Fox, Golf, Bravo, Tango Novembre. Un Cessna 172 au Parking Club, 3 personnes à bord. On souhaitera voir les consignes de roulage pour un vol à destination de Gap Talar. Ça sera une sortie secteur Carpentras, sortie écho. Et nous avons pris l'information écho. Reçu Tango Novembre, et bien 70-40 au transpondeur, roulez pour le point d'attente Bravo et rappelez près sur 122.6. 70-40, on roule au point d'attente Bravo, on rappelle sur la fréquence tour, Fox Tango Novembre. Bon, ça déjà. Avignon du Fox, Yankee Oscar, bonjour. 50. Yankee Oscar, bonjour. Hop. Le Fox Bravo Novembre, Yankee Oscar, le GY80 au parking, demande le roulage. Echo, on a pris l'information Echo et ce sera pour dire sur Romoulin avec une sortie whisky. Reçu, Yankee Oscar, roulez point d'attente Echo, 70-40, rappelez prêt à Echo. 22-6 Echo, 70-40, Fox Yankee Oscar. Et nous revoilà parti. Alpha Golf, bonjour. Alpha Golf, bonjour. Fox Juliette Golf Alpha Golf WT9 parking Fox pour un vol à destination de Gap, une sortie écho 1500 pieds et l'information écho. Sur le point d'attente Bravo, Papa 70-40 au transpondeur, appelé près 122.6. Sur le Bravo, via Papa 3 Alpha Golf. On aurait dit que ça c'est Thierry. Il a WT9 lui non? Oui. Bah, il est garé là-bas si c'est lui. Ouais. Il y a quelque chose de particulier à Gap, Alpha Golf? Négatif. Ah, vous êtes le troisième avion à attendre le roulage sur Gap, c'est pour ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas, là. On mange bien à Gap. Ah, ça doit être ça, alors. La serveuse est très jolie. Cotongo, on est aligné 35, on est prêt. Ah, tu sais, y a pas moi qui le dis. Cotongo, reçu, c'est bien, piste 35. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. En calme, rappel en sortie. Autorisé décollage de 35, Fox et Cotongo et rappel en sortie. C'est monteur. Xavier Alpha Golf. Xavier. Ah salut, c'est Patrice dans le parcours devant. Salut. Ok. Ah c'est Xavier. Bah il me semble avoir reconnu la voix. Ok. Ça c'est vraiment bravo, prêt à remonter. Bah t'as 01 depuis, bravo, on monte à condense la 35, alignez-vous, rappelez prêt. Bravo, remontez, alignez prêt, votre 01.
Lima X-ray, pardon. On arrive en base gauche et si possible, on souhaiterait prendre la bande UF pour un peu de travail sur la vue. Bien pris, numéro 1 pour la bande 5 ULM en calme et rappelé en finale 35 ULM, un ULM qui remonte la principale. On rappelle en 35 ULM. Un peu de hasard, tu veux pas. On a le visuel sur la. Non, j'ai rien dit. Vous avez des infos sur la. Ah, si, j'ai ce qu'il faut sinon. Au seuil 35 là. Enfin, j'avais ce qu'il faut. Non, mais laisse tomber, t'inquiète pas, c'est juste que. Je pensais que la vue allait partir plus vite et pas. Merci. Il y a Kioscar au point d'ascenseur écho, on est prêt. Kioscar, maintenez avant écho, je vous rappelle. Bien sûr, Boîte à 01, piste 35, autorisé décollage, 0,30 degrés pour 4 nœuds. Autorisé décollage, boîte à 01, je rappelle la verticale par virage droite. Firme. Tango novembre, on est prêt au point d'ascenseur, bravo. Je suis maintenu Tango novembre, je vous rappelle. On maintient Tango novembre. Alors Kioscar, vous aurez besoin de m'en remonter jusqu'à où? Bravo, ça suffit. Reçu. Merci, de rien. Novembre, c'est l'occasion, t'as besoin, j'ai ça. Remontez la 35, alignez-vous et attendez. Postamment, on remonte à 35, on s'aligne et on attend. Okay, ah oui. Oscar, depuis Echo, remontez la 35 jusqu'à Bravo, alignez-vous et rappelez prêt au départ, vous serez numéro 1 au départ. Un appareil sera aligné au seuil 35. C'est bien pris, Oscar, je remonte, je rappelle la ligne prêt. Bon, c'est sympa, il a dit qu'il dépassait pas Bravo lui. Ouais, c'est Boris. En finale 35 ULM. Il m'a extrait bande 35 ULM. Oui, bon avis à Barcelone. 0,40. Oui, on avait déjeuné. Oui. Donc, je pense pas. Il y a le cœur, je ferai un gauche. Premier tour de piste et une remise de gaz direction le Rond-Poulet. Reçu. J'adore filmer à l'arrière sur cet appareil. Alpha Golf, ça va faire Bravo. Ah ouais, c'est excellent. Reçu maintenant avant Bravo, je vous rappelle. Je maintiens Bravo Alpha Golf. Étoile de neige. Mon cœur amoureux. Et un casque frais au départ. Ok, Oscar reçu, piste 35, autorisé décollage, le vent est calme, rappelez, vent arrière main droite. Autorisé décollage, rappelez, vent arrière main droite, il y a quelqu'un. T'es sûr que t'as reconnu ton gyro toi? Non, je le fais toujours. Ouais, mais je le fais toujours quand je suis aligné sur la piste. Négatif. Reçu depuis Bravo, alignez-vous, rappelez prêt. Je m'aligne, je rappelle au prix et Bravo, à la gauche. Comment je peux rouler, je peux faire prendre les choses au ralenti en fait. C'est fin de travail, boîte à 01. Finale est dégagée. Lima X-ray, c'est contrôlé pour débuter le travail sol. Je suis rappelé fin de travail sol. On rappelle fin de travail sol, Lima X-ray. Ah ouais, il y a du monde qui décolle en même temps là. Alpha Golf, maintenez visuel sur le GY80, montée initiale qui va passer vent arrière et autorisé décollage 35, 360 degrés pour 5 nœuds. Autorisé 35, ouais. Je maintiens le visuel sur le précédent Alpha Golf. Tout vert, ok. Je crois que c'est Cotango, nous arrivons en sortie de zone 2000 pieds en montée. Monsieur Ecotango, pas de trafic à vous signaler. Provence Info 132-300, au revoir. 132-300, merci, au revoir et bonne journée, Fox Ecotango. Kioscar, non, début de droite arrière, main droite. Monsieur Kioscar, numéro 1, rappelez finale 35. Numéro 1, je rappelle finale 35, Kioscar. Tango novembre, on est aligné pour 35, on a visuel sur le trafic en montée initiale et on est prêt à décoller. Reçu, Fox Golf, bravo Tango novembre, maintenez visuel sur le trafic en montée initiale et autorisé décollage 35, 350 degrés, 5 nœuds, rappelez en sortie. Autorisé décollage 35, on garde visuel sur le trafic en montée initiale et on rappelle en sortie, écho, Fox Tango novembre. C'est tout bon? C'est tout bon. Allez, c'est parti. Et il est 57. 57. La puissance est affichée, le badin est actif, il n'y a pas d'alarme. On poursuit le décollage à 50 nœuds. 55. Rotation. Et il décolle tout seul. Ouais. Un petit peu lourd. 70 nœuds.
guerre. Et voilà, Phil reprend les airs. 1200 cœurs. Allez, Phil. Yankee Oscar en basse droite, bientôt vital 35. Bravo novembre, Yankee Oscar, 5, autorisé option. Ouais, effectivement, quand on prend degrés 5 nœuds, à rappeler à Whisky. 300 nœuds, 300 pieds, je rentre les volets. Ah, il y en a un vario de fou là. Putain. Ah, c'est pas le Bonanza là. Ah, ben le Bonanza quand tu rentres pas le trajet ça. Bon, par contre, c'est plus rapide. Non, même sans le train, enfin, même avec le train sorti. C'est combien, 1028 la pression encore, elle est toujours haute. 1026, ah, ça va baisser un petit 1026, peu, ouais. Ouais. Ah, ça reste bien haut quand même. Ah, ça, en montagne, là, t'as des journées sublimes quand c'est des hautes pressions comme ça. Là. Le tout, c'est d'arriver à s'échapper des vallées, quoi. Ah ouais. Et donc il a fallu attendre un petit peu quand même avec la brume de ce matin. Ah oui, oui. Mine de rien. Ben ça fait exactement comme la fois avec le DU. Ah ouais. Donc à Carpentras, il n'y avait pas un contrôleur pour t'emmerder. Ah oui, bien, je voulais essayer ça encore, tiens. Mille pieds. Je coupe la pompe. Je coupe les feux. Reste au QNH. Alpha Golf va sortir pour quitter. Monsieur Alpha Golf, pas de trafic à vous signaler. L'info 132-300, bon vol. Merci à 60. Ah, c'est pareil, fin de montée initiale. Négatif. Oscar Charlie, bonjour. Bonjour, Fox Gold Delta, Oscar Charlie, un Cessna 152, deux personnes à bord au Parking Club. Nous avons l'information écho et demande au roulage pour des tours de piste. Reçu, 70-40 au transpondeur, roulez pour le point d'attente, bravo, rappelez près 122-6. 70-40 au transpondeur, on rappelle près bravo 122-6, à l'heure. Oui, Bastien. C'est joli la brume quand t'es au-dessus. Ah, toujours, toujours. Bon, ça aide pas à voir ce qu'il y a en dessous, mais... Ça fait des jolies photos quand même. Eh ouais. Tango, novembre, bientôt en sortie, pas de trafic à vous signaler, l'info 132-300, bon vol. 132-300 avec l'info, merci, bonne fin de journée à ce soir, au revoir. Et bon appétit du coup alors. Merci beaucoup également pour vous. Hop, Lima deux fois, merci pour l'info. Il a commencé à tourner, je pense qu'il est dans vos 1 heure maintenant, 700 pieds bas. 700 pieds bas à 1 heure, d'accord, je réussis à Roméo, Lima deux fois. Pour l'info de Charlie Roméo, bonjour. Fox Kilo Oscar, vous n'êtes plus dans mes zones, passez avec Marseille Info si vous voulez, 120 décimales 55 pour la suite. Et pour info, le trafic qui vous suit est de... Il est dans vos 7 heures maintenant, 2-3 nautiques derrière vous, toujours 500 pieds bas.
C'est quoi le truc qui fait Oscar reçu, 120, combien vous m'avez dit 120-550, Marseille Info, si vous le souhaitez, vous êtes en classe G, et bonne journée. Oscar Pape, merci, je quitte la fréquence, au revoir, à tout à l'heure. Et Fox Romeo Alpha, vous restez longtemps avec une route vers l'est Jusqu'au lac Sainte-Croix, c'est possible. Reçu, bah alors passez avec Marseille Info aussi. Si vous le souhaitez sur 120 décimal 55, il y a toujours un trafic dans vos deux heures pour de nautique 500 pieds haut qui va à Avignon. Reçu, merci, 120-55, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Provence Information, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172, 172, en provenance d'Avignon, à destination de Gap, ferré par la tour. On est en train de sortir de leur zone, on est secteur est de Carpentras, monté 5000 pieds et une quasi directe sur Gap. Reçu Tango Novembre, c'est approuvé, pas de zone à signaler, vous pouvez poursuivre, il y a un événement à Gap, je crois, tout le monde y va d'Avignon. Négatif, pas d'événement, c'est juste qu'on mange bien, et ça fait une sortie, c'est pas. Ah ouais, bonne idée alors, c'est noté, merci. C'est un truc tout le monde, Charlie Roméo. Un CR01 avec une personne à bord au décollage de Orange Plan de Dieu pour circuit dans les Alpes. Actuellement, à Gap. 1027 en montée vers 4000, passé Vaison-la-Romaine, transpondeur 7000. Reçu, affiché 54 11 au transpondeur, je ne vois pas pour l'instant. Vous montez à quelle altitude, on m'a dit 4000 pieds. Reçu, c'est bien pris Charlie Roméo, rappelez-moi pour tout changement. On va voir l'aérodrome de Carpentras où on a décollé la dernière fois. On va y passer dessus, tu l'auras sur ta gauche. Il est juste à gauche en bas. Voilà. De Marseille, Lima de Fort. J'ai mis la. Oui, Lima de Fort, 133 décimales unité. Vous refont l'info, le trafic est dans votre travers droit. Oui, affirmatif, j'ai le visuel, hein, merci. C'est parfait Lima de Fort et à plus tard. Plus tard, merci. Il y a le DU qui décolle tout seul là, je comprends pas. Non, traffic to report, descending. My window, Delta Oscar. Delta Oscar, descend 3,200 feet, QNH 1026, and clear for the RNP Zulu 17, VPT 35 at Avignon. Descend to 3,200 feet, CNH 1026 and clears for RMP Zulu 17 and then VT35 for the Quebec event. Avance, force Sierra Zulu, bonjour. Avance, du Fox Yankee Oscar, bonjour. Eh hey, oui. Fox Yankee Oscar, bonjour, je vous écoute. Fox Bravo Novembre Yankee Oscar, gardant Giga 80, une personne en provenance d'Avignon pour faire des évolutions au niveau du circuit de Denon. Reçu Yankee Oscar, entre quelles altitudes vos évolutions 500 000. Reçu, parfait, BA, allez-y, et rappelez-moi quand vous avez terminé. Je vous rappelle, c'est terminé Yankee Oscar. Oui, Provence, Fox Sierra Zulu, bonjour. Oui, j'ai demandé. Ouais. Sierra Zulu, bonjour, je vous rappelle. Fox Yankee Oscar, pour info, je vois au radar, j'ai pas en fréquence un trafic dans vos 1 heure pour 3 nautiques, stable à 800 pieds avec une route au sud. C'est bien pris, j'ai pas de visuel pour l'aide. Reçu. Et Fox Sierra Zulu, je vous écoute. Oui, Fox Juliette Golf Sierra Zulu, du ULM A32, une personne à bord, c'est un vol de Saint-Réserie, base du ULM 34-62. Dynautique Nord Montpellier, c'est pour une destination Mont-Dauphin, actuellement sac nautique au sud du ZEF, 1500 pieds pour un transit au niveau 55. Ouais, grand transit, je coupe la fréquence. Reçu Sierra Zulu, le transit approuvé, rappelez-moi pour tout changement. 4000. Ah ouais, déjà Je suis autorisé pour le 55, Sierra Zulu. Elle arrivera à 11h34. Pardon, Sierra Zulu, j'ai pas reçu. Oui, c'est accordé le 55, Sierra Zulu. Affirme, oui, la montée au 55 approuvée. Montée au 55, Sierra Zulu. On arrive au-dessus de chez moi, là-bas. Bravo Lima, Kilo Uniforme, là-bas. Bonjour. On peut y aller, ça c'est bidon, Bravo Lima, Kilo Uniforme, bonjour. Fox, bravo Lima, Kilo Uniforme, garçon, gauche, Yankee 80, bravo. Merci Lima, Fox, Fox.
à destination d'Avignon, Lima Fox, Mike Victor. On est à 4000 pieds au QNH 25, 4 descentes à bord et transpondeur 7000 et 4 heures d'autonomie. Reçu affiché 54-12 au transpondeur et le transit est approuvé. 54-12, c'est le niveau. On va en suivre Yankee Oscar. J'écoute Yankee Oscar. Que je peux passer un message à l'autre gardant. Négatif pas pour l'instant, le trafic que je vous avais signalé est derrière vous. Bien pris, Yankee Oscar. Fox Echo Tango, vous pouvez quitter la fréquence. Marseille Info disponible sur 120 décimales 55 pour la suite. Bonne journée. Voilà, 55, merci, au revoir et bonne journée, Fox Echo Tango. Et Fox Alpha Golf, vous sortez également de mes zones, Marseille Info dispo sur 120 décimales 55. Ah, mais il est devant nous lui aussi. Bonne journée, je quitte. Ah, bah oui, il a décollé juste avant nous lui. Tango Oscar, je vous écoute. Il va même rappeler Tango Oscar. Pourquoi tu montes si haut alors qu'il y a des gorges de MS qui sont juste là? C'est du gaspillage. Ouais, Fox Oscar Lima, bonjour. Oui, Fox 30 Hotel, Oscar Lima Alpha, hélicoptère Cabrio, départ d'Aix pour un vol local secteur Nord Sainte-Victoire et retour sur le Berlafar. On est 12700 pieds à monter, on arrive au secteur Sainte-Victoire. Reçu Lima Alpha, vous êtes entre quelles altitudes les évolutions? On va monter jusqu'à 4000 et 3 entre 2 et 4000 et on a 71-17. Reçu parfait Lima Alpha, rappelez-moi en fin d'évolution, il n'y a personne dans le secteur Sainte-Victoire. Je rappelle fin d'évolution, et merci Lima Alpha. 1087, 2085, climb 5000. Lufthansa 1087, bonjour, identified, climb flight level 140. Climbing 140, Lufthansa 1087. On va déjà aller en montagne là-bas. Ouais. Ah, ça a bien fondu, c'était tout en dégel le dévolu l'autre jour là. Là ça a tout fondu. Delta Oscar, stay with me for just a few seconds, I call you back shortly. Will do, Delta Oscar. On va en Fox Mars Charlie, rebonjour. Et du coup, est-ce qu'on pourrait Delta, pas... Delta Oscar, you can leave frequency, Ouais, leave your frequency. Hein? Faire un peu de serpent-son là pour revenir plutôt. Oh, si tu veux, oui. Ouais. Novembre, Charlie, rebonjour. Prendre aussi vertical 6 de rond. Ah ouais, c'est joli. Ah, c'est joli là. De Aubenas, retour vers Carpentras. Transpondeur à Saint-Étienne. Reçu, vous venez du puits, c'est ça? Affirme. Reçu, le transit est approuvé, rappelez-moi pour la descente. Appelle pour la descente. Provence de Charlie Romeo, je suis en train. Mais non, c'est impossible. Je peux pas. Il va aller rentrer le Sphera. Ah! Et en sortie zone Tango Novembre? Excusez-moi, Tango Novembre. Oui, Tango Novembre, vous pouvez quitter la fréquence Marseille Info disponible sur 120 décimales 55 et bon appétit. Merci beaucoup madame, bonne journée à vous, on passe sur 120 55 avec Marseille, merci, au revoir. Merci également. Fox Zoo Golf Marseille, j'ai un nouveau contact sur vous, Est d'Igna, à 6000 pieds. Lima Romeo, pour qui est la fréquence, j'ai passé sur Chiron. Marseille Info, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, Marseille, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, 16972, 3 personnes à bord en provenance d'Avignon à destination de Gap, libéré par Provence. On est actuellement stable semi-pied, travers est du Mont Ventoux. Et on effectue une directe sur le lac de Serpenson. C'est bien monsieur, j'ai contacté sur vous, j'entends que vous avez des parents en cours sur le terrain de Gap à l'arrivée. Bon, je ressens mal là. Oui, bien reçu, oui. Bien reçu, Tango Novembre. Il y a des parents en cours. Ok, Novembre, c'est juste bonjour. C'est pas simple à Marseille Info. Oui, Butch, 33 novembre, 36968. De Cannes vers Rodez, je suis en direction de Vinon, 5000 pieds et 5501 en transpondeur. C'est reçu monsieur, affiché 7000 au transpondeur s'il vous plaît. Et indiquez-moi le nombre de personnes à bord. Une personne à bord et 7000 au transpondeur. Là c'est le coup de soleil, on appelle ça ici, tu vois. Ouais. Le passage de la voiture.
Parfait, de Fox Zulu, bravo. Et un devant nous, il y a le plateau d'Albion. Je vous écoute, Zulu, bravo. On est dessus déjà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les gens de salon, les gens de salon, s'il vous plaît. On aperçoit la piste de Cassac des Sols là-bas. Ouais. C'est copié, merci beaucoup. Fox Golf à Marseille. Fox Golf Mike Kilo Alpha Marseille, info. Fox Golf Mike Kilo Alpha, j'écoute. Eh bien, avec Nice Information sur 124 425, au revoir monsieur. On pèse sur Nice Info sur la tête 125, bonne journée, Fox Kilo Alpha. Sont belles ces couleurs violettes là. Ouais. Ouais, ça, c'était plus joli il y a 15 jours là. 15 jours c'était ouais, magnifique, il y a des couleurs d'automne. Elle est flashée plus. C'est quoi qui fait cette couleur là? De quoi tu parles? Elle a la couleur violette là. Novembre Golf Marseille. Violette. Bonjour monsieur, redonnez-moi l'indicatif s'il vous plaît. Oui, c'est le Papa Hôtel Kilo Novembre Golf. À PA18, on vient de coller de Clerc à destination de Mont-de-Saint à Saint-Crépin. 3500 pieds, 2 personnes à bord, 4 personnes à bord. Là, il y a ceux à droite là. On est ah, si, ouais, si je l'aperçois au moins, les bains là-bas en bas, qu'on arrive à faire un cire. Ouais, ouais. Et là, on voit bien la piste de Saint-Cristol là-bas. C'est bien reçu, monsieur, j'ai contact sur vous. Et pour l'instant, je n'ai rien à vous signaler. Secteur circonfond, vous avez la Romeo 138 de Conjure qui est active. À Marseille de Novembre-Golf, vous voulez vous répéter? Vous avez la Romeo 138 de Conjure qui est active, secteur circonfond. Très bien, bien reçu, mais pas très loin. Elle procède actuellement sur le bord de ligne. Et ce qu'on aperçoit là-bas tout au fond qui fait comme un aileron de requin, c'est le Grand Vémont, c'est le sommet du Vercors. Ah ouais, d'accord. Regardez ça. Et on va bientôt apercevoir le Mont Aiguille. La grande pointe, quelle heure? C'est Juliette Alpha, ça c'est pour là, il est loin là-bas, et très loin, c'est le plus loin qui fait comme un aileron de requin. Là-bas, ce que tu regardes, c'est le dévolu. On verra le pas, vous m'en recevez mieux là. Alors, ou alors on va pouvoir toucher un super dévolu, ou à Mince, à Mince on peut les manger à pied. Ah oui, à la fête, hein, du village. Là t'as typiquement le petit village, regarde, là, sur le sommet là. Alors le petit village c'est Aurel, c'est le village d'Aurel. C'est joli hein, ouais, c'est très joli là, oui. Bah, c'est Aurel, Montbrun les Bains, et le fer à cierre ça. Bah, le col de l'Homme-Mort là, qui juste plus loin. Autonomie, j'ai 70-00 au branchement profondeur. J'arrive en entrée de zone actuellement à l'est du. Là on va arriver plus loin, il y a ce dehors. Droit devant, il y a ce dehors. Et là on voit la vallée de Gap là-bas, on voit quasiment le point Sierra. C'est bien reçu monsieur, j'ai contacté sur vous et je n'ai rien à vous signaler pour l'instant. Merci, je vous transite pour un. C'est joli là, c'est montagne quand même. Pas portier quoi. Une VFA avec... Il n'y a pas plus beau que les montagnes. Ah ouais. Et la vallée de Toubarenc là voilà. Provence, l'information du Fox sur le tel Charlie Alpha devant, bonjour. Alors, station pour Marseille, information, redonnez-moi vos éléments. Foxtrot était Charlie Alpha November, et J42 with two people on board, in navigation from, it's for maniability, climbing 6000 feet. Roger, say departure and destination. Alpha November, say airfield of departure and destination, please. Marseille, departure and arrival at Cannes, Alpha November. Roger, sir. For information, Romeo 138 is active. Let's go to Alpha November. And Alpha November is for maniability above the lac of Sainte-Croix, 6000 feet. Voilà, là il va y avoir la route
sous, non? Roger, be careful, la route, la route de la France. D'accord. Ah ouais. Vous êtes coupé à cette heure-là. Et on va arriver dans les gorges de la Méo qui sont vachement jolies, et tu peux aller à Gap par là en voiture aussi, c'est sympa. Marquez info du Fox Zulu Bravo. Oui, je écoute, monsieur. Je sais pas, et là t'as la montagne du Puc qui est juste là. Bien reçu, c'est vraiment très grosse porte par rapport. On vaut 10h pour Saint-Nautique avec une route de la gauche. Et la pique de Lure, c'est ça là-bas? Non, la pique de Lure, la montagne de Lure, elle est là-bas. Ah oui, on avait fait des radadas là-bas avec le Dahu, ouais. Marseille Info, France, Golf, Lima, Delta, Papa, donc. Et là-bas, on a le pic de Bure et le dévolui, là, avec le... On était passé aussi loin avec le Jordan. D'accord. Là-bas, on avait passé le petit col, là, qui... Delta, Papa, DR, 400, vers Sainte-Croix, puis Saint-Raphaël, et retour vers Sainte-Croix. On s'était posé à... Tu fais pas nu, attendant... 70-00, branché. C'est dommage. Donc, il fallait faire l'octeur et après tu fais menu et clear, bien reçu. Il fallait lancer pour l'arbre du relief. Et je vous informe qu'il y a de nombreux trafics GSR secteur Sainte-Croix, c'est vigilant. Delta Papa reçu. Marseille Info, Fox Alpha Fox, bonjour. Fox Alpha Fox, Marseille Info, bonjour monsieur, je l'écoute. Et bonjour, un DA40 Fox, Hôtel X-Ray Alpha Fox de Berfet, départ de Vinon. Destination d'Extrémil en 7000, on passe 2005 en montée pour une directe de sa part. C'est bien reçu monsieur, vous avez la zone de Péricard qui est active. Oscar Mike, bonjour. Marseille Fox, Oscar Mike. Stand by. November 68, contactez Provence Information, 124-35. Au revoir monsieur. 124-35, au revoir, merci, bonne journée. Restation Flamarcien, il faut redonnez-moi vos éléments s'il vous plaît. Oui bonjour monsieur, c'est le Fox Golf Papa Oscar Mike, un DR400, deux personnes à bord, décollé de Vinon, destination de Vinon pour un vol entre la surface et les pieds, secteur 42 à l'entrée, on est actuellement à 3000 pieds au nord de Vinon, à 3000 pieds stade, et 3000 pieds au profondeur. Tu fais menu, c'est bien aussi, monsieur. Là, tu fais minime, t'es là. Écoutez, je vais vous faire signaler. Rappelez-moi au fin de décartier pour retour sur Vinon. Vous rappellerons retour Vinon Oscar Mike. Il est parti Martial ou pas? Je vais regarder. Parce qu'en fonction, on prendra. Ouais, Martial a téléphoné il y a 3 minutes. C'est Lima Renault, Marseille. Donc là, il y a Cédron, on va arriver à Cédron. C'est Lima Renault, Marseille. Et les gorges de la Mérouge là, qui arrivent devant. Joe et Gordon, on s'est posé. Le golf, bravo, Tango Mike, Marseille Information. On s'est posé à Colombe des Guillans qui est un peu plus loin à gauche. Là, il y a juste avant, on avait fait. On va y passer pas loin. Là, ouais. Let's go. Bravo, Tango Mike, Marseille Information. Et là, il y a le Grand Pérus, on s'était posé, il pleuvait. Un où on arrive tout en virage dans un fond de vallée. La petite ligne de tension là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, non, avec la ligne de tension, c'est celui, c'est Colombe. Mais l'autre, il y a des arbres et des lignes électriques aussi à l'entrée là. C'est un terrain qui est assez pentu, tout au fond de la vallée, mais perpendiculaire. Il faut arriver dans une autre vallée, tu passes au ras des, maisons, là, ouais. Marseille de Zulu Bravo. C'est mon préféré. Oui, je vous écoute, monsieur. Vous pouvez contacter la Tour des Milles. Au revoir. C'est copié, on fera la Tour des Milles, juste pour vous informer qu'on a deux appareils à voile, type paramoteur ou parapente, qui évoluent au secteur est des Venelles, à peu près la même altitude, c'est-à-dire 4000 pieds QNH. C'est bien reçu, moi j'ai pas le contact de dessus, mais je l'appelle. Dis-lui qu'il mette sa position sur WhatsApp pour savoir où il est. Passe le tour des milliers, c'est bonne journée. Dis-lui qu'il mette sa position sur WhatsApp pour savoir où il est. Zulu Delta, Marseille Info. Zulu Delta. Un petit service, vous pouvez contacter pour moi le Fox Golf Bravo Tango Novembre et lui dire de quitter ma fréquence et de passer au plus tôt avec la tour de Gap, s'il vous plaît. Ouais. Reçu, je passe le transit.
Tango Novembre pour Marseille Info, vous pouvez quitter la fréquence et passer avec la fréquence de Gap. Fox Tango Novembre, on a bien pris la communication de Marseille et on passe sur la fréquence de Gap. Merci monsieur. Il n'y a pas de quoi. Donc Marseille Info, le Tango Novembre a reçu et passe avec la fréquence de Gap. Merci beaucoup, Delta. Ben, reste, on s'en fout. Hein. Ouais, ou méga, ouais, on verra. Parachute inactivity in progress, up to 155, don't apply the airfield. Inform Gap, initial contact on 119. Bonjour, ici Gap Talin, information Alpha enregistré à 8 heures UTC. La piste 20 en service, le vent variable pour 3 nœuds. QNH 1028. Activité parachutage en cours jusqu'à 165, ne pas sur l'aérodrome. Informez Gap au contact, jusqu'à la reçue information Alpha. Je sais pas s'ils ont une fréquence à eux, Sisteron. Le 4 touché, il est barré. Dans la zone 5. Vous êtes devant la Sisteron. On reste en tour de piste ou repartez? On repart, il est barré. Je pense pas que ça vole, à mon avis ça doit pas voler, mais... On va faire un petit détour, Pascal. Oui, bien sûr. Le gap est par là-bas donc merde. Ouais, je vois qu'on est à 10 minutes en ligne droite là. Ouais. Et là on va passer juste au-dessus de l'Escoulin là, vraiment. Ça va être joli. Il y a un truc avec du treuil là, hein, on avait vu une Ouais, c'est le mode du Caire. Ouais. Il est juste avant l'Escoulin. Il faut voir sur Safe Sky. Là il y a des jolis trucs, c'est des jolies formes géologiques là. Il y a un avion sur. Il y a un avion à 6800 pieds à gauche. Et il y a un ballon là, il y a un ballon du côté de Gap, il y a un ballon. Oh merde, un dirigeable là non. Montgolfière. Michel, qu'est-ce qu'il nous a fait encore là? Ah c'est joli la route, t'as vu dessous là? C'est les gorges de la Méouge. C'est beau, ça, hein. Beau. C'est beau, ouais, tu vois, il y en a à gauche 1000 pieds plus haut. 1600 pieds plus haut, on devrait le voir dans le ciel, je pense. Il est à 3 nautiques. 3 nautiques à notre gauche, mais il est sur l'aile, voilà. Ça, c'est du travelling. Et ça, c'est la montagne de Chabre. Alors, pareil, ça fait vachement gaffe, il y a énormément de parapentes, de delta. Bah, d'ailleurs, de toute façon, oui. En tout cas devant il n'y a personne, il n'y a pas de trafic. Ben c'est pas Astre qui est à gauche là-bas? Astre alors, là-bas dans le trou là-bas, hein. Ça, il est à gauche là-bas non? De là je le vois pas, non je pense qu'il est plus derrière là-bas. J'hésite entre deux endroits. Il y a la montagne comme ça qui a une forme un peu... Ben, il est par là en tout cas mais je le vois pas, là je le cherche. Il y a une espèce de petit monticule là-bas. Astre, il y a deux pistes, une piste en croix. C'est ça. Mais parce qu'on voit ça. Non, tu le vois pas, il est derrière la montagne là-bas. On le voit pas de là. On voit Colombe des Guérands, là, le disons face. Là, on voit la ville de Serres là-bas, et Aspre, il est derrière. On peut pas le voir de là. On peut pas le voir. On va peut-être l'apercevoir maintenant qu'il va sortir derrière les... Derrière les reliefs, mais c'est pas dit. On arrive à Sisteron, il n'y a pas le chat. Derrière à 130-0 pour voir s'il y a du vent de montagne. 400 sorties Sierra, suivi d'un ULM, même route. Hôtel Romeo.
Ah oui, je vais mettre en bas, tiens, comme ça, ouais. Bah, il a dû décoller parce qu'il répond pas au message, hein, donc... Oui, oui. Ah, ça a dû se lever, Albertville. On voit, on aperçoit, on aperçoit la piste là-bas au fond là, on dirait, de Tallard. Juste, juste, hein. Ouais, en tout cas c'est là-bas. Ouais. Ouais. Peut-être caler un petit peu avant. Ouais, j'allais te proposer de... Comme ça on ira voir le... On ira voir les Spoulins. Les Sisteron qui est en dessous là. Ouais, on est vertical là, ouais. Ouais. Il y a un terrain sympa là, que pas plus, c'est un tout petit piste. Là par là là. Ah bah c'est de la petite surface hein, ouais. Ouais. Ah, c'est quoi? Une résine pièce. Ah bon, j'ai pas compris hein. Ça c'est la Durance dessous. Ouais. Il a su cette remonte sur Gap. Et ouais, le terrain au treuil doit être là-bas. Il doit être dans la vallée, là, au, quasiment au confluent. Ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas grand monde sur la montagne, parce qu'il y a un jour pareil, là. Et nous, l'altisophase, elle est droit devant nous. T'as quand même tout petit peu à droite, comme ça, tu la verras mieux. Voilà. C'est difficile, elle est vraiment assez traître là. Ah bien alors, avec toutes ces couleurs marron là, on a du mal à... Ouais mais là c'était, il y a 15 jours ou 3 semaines, c'était magnifique avec les couleurs d'automne là. Là c'est passé maintenant là. Ah ben, tu vois devant là-bas on voit une rivière. Oui. À peine on la voit. Oui. Et un peu en hauteur, on voit une espèce de bâtisse de ferme qui est toute seule. Oui. Ouais. Et le terrain, il est... Tu pars à droite et on aperçoit le haut du terrain. D'accord. Ah oui, donc le premier que je vais mettre à droite encore. Ouais, mais c'est pas mal là, ouais, voilà. Ouais. Et donc la botte de guerre, on y arrive, voilà. Il est juste derrière la petite crête qui est là, là, voilà. On le voit pas encore. Ils sont très proches l'un de l'autre, là, ouais. Alors le terrain, il est en deux... Il y a une partie, il est cassé en deux, comme ça. Il est convexe. Il y a une partie de 200 mètres. T'as 200 mètres en pente, et après t'as 150 mètres qui descendent un petit peu. D'accord. Et il est assez... Donc faut considérer que t'as une piste de 200 mètres, parce que dans la descente, là, c'est... Ah oui. Tu te freines pas, quoi. Voilà, là on voit bien la piste, on la voit en entier, la piste maintenant, quasiment, là-bas. Mais il faut savoir où ah est, oui, quoi. Je me rappelle de celui-ci, ouais. On y est allé en virtuel, bien sûr. Ah, en virtuel, c'est ce que j'allais dire. Voilà, là, on voit la piste de la mode du Caire, là, voilà. Ah oui. Tu le vois, le terrain en bas, là? Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vas voir, après, il y a une altie un peu plus loin, là. D'accord. Ouais, là, on avait juste fait un passage sauvage, là-dessus. Ouais, lui, il est assez technique, hein, en plus, il est bien engoncé, là, dans le... Il est pas large, hein. Ah oui, mais toi tu parles de celui-là, Pascal. Ouais. Tu parles du terrain qu'on a sur notre gauche là. Ouais, juste en dessous là, ouais. D'accord, mais tu... Patrice, il parle d'un un peu plus loin. Un peu plus loin, là, il y a une petite surface. Ah oui, on le voit, c'est entre les arbres là. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Il est comme ça, Pascal. Il est comme ça le terrain, tu vois. On va y arriver, il y a des arbres. Ok. Des deux côtés. Ouais, là, c'est le... Et là, il décolle au treuil, parce que t'as vu, il y a un rail au milieu, quoi. D'accord. Ouais, je me rappelle aussi, on y avait été, c'est sportif là. T'as viens là. Vas-y, je te laisse. Mais non, c'était juste pour... Ouais, comme ça, il le verra bien l'autre, voilà. L'autre, il a, on arrive dessus, l'autre. On arrive sur l'altitude, tu le vois là, en bas. Ouais. Il y a une espèce de petite colline avec des arbres, ouais, il y a une clairière au milieu. Ouais, je vois. Et ben c'est là. Il est court celui-là. Bah, il fait 350 mètres, ouais. Ah la vache. Oh putain, ouais. Remarque, si tu tombes, tu vas dans la rivière. Hein, ah mais c'est bon, tu poses dans l'autre sens. Ouais, non, mais quand tu décolles. Ah, quand tu décolles, oui. Ah, en fait, il est comme ça et comme ça. Bah, c'est-à-dire qu'on pose dans l'autre sens. Voilà. Oui, d'accord. On pose toujours dans la montée. Parce voilà, maintenant. Ah, mais là, c'est la descente qu'on voit, alors. Là, ça descend vers la rivière. Ah, la ouais, rivière. D'accord.
Ah merde. Ça, je recollais, merde. Eh ouais, c'est l'effet d'optique, ouais. Alors, attends, voir. Bah, fais comme ça, il le verra bien, là. Voilà. Tu le vois bien, là, Pascal, ouais. Là ouais. Il est juste là, le terrain. Ouais, à côté des maisons, là. Ouais. Voilà. Mais en fait, ça a l'air de monter des deux côtés. C'est une impression. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ouais. Ça monte bien par là. Ouais. Et le côté, il descend légèrement. Donc il est assez technique, il faut pas se faire piéger, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. On a vu quelques avions qui avaient traversé les arbres, nous. Voilà, là, on le voit bien, voilà. Ah ouais. Et il est assez technique parce que le pic de bourre là-bas qu'on voit vraiment bien, le truc bien plat. Ah oui. Et tu sais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un chat sur la montagne. Et là on va arriver au lac, c'est joli aussi. Ouais. Ah c'est beau par ici hein. Ouais c'est beau partout. Ouais. Ah, on voit l'ombre de Tango Novembre. Tu vois l'ombre? Ouais, le halo en fait, sur les falaises juste en dessous à gauche là. Tu vois un halo qui se balade sur la roue, sur la paroi. C'est étonnant d'ailleurs ça, que ça forme que un halo comme ça. Ouais. La chaleur peut-être. Ouais. Non, non, c'est pas ça, c'est que l'ombre elle se disperse. Enfin, j'imagine. Ah bah on aurait pu faire un toucher sur la piste ULM qui est le long du lac qu'on avait fait quand on avait fait le vol ensemble. Ouais, ouais, ouais. On avait été dessus là. Et toi tu t'es posé sur le barrage, on va essayer de le faire. Bah ouais. Mais c'est pas compliqué en plus hein. Tu vas, tu rasses la pente qui est à ta gauche, et ensuite tu plonges, tu réduis tout, crac, tu te poses. Et je l'avais fait. J'y arrive. Je sais comment il s'appelle le terrain après, qui est plus loin là. En tout cas, en tant que passager, j'ai trouvé une technique pour faire du montage qui est ultra simple. Ouais. C'est que je fais des séquences qui sont relativement longues au caméscope. Ouais. Et après, je suis que le caméscope. Je veux dire que le montage, il va très très vite. Hein. Après, tu fais quoi? Et après, bah, je fais que suivre le caméscope au niveau du montage. Ouais, d'accord. Il donne des séquences de contemplation, on va dire. Bah, t'as vu la vitesse du ballon, deux nœuds. Lui, il n'a pas Safe Sky, ton copain, là. Je sais pas. Ah sinon on l'aurait vu dessus, oui voilà. Bon, je vois s'il y en a un du côté de Gap là-bas. Il partait d'où de Gap? Non, qu'à Albertville. Ah oui, de Albertville et ensuite du Verso. Albertville, le Verso. Il récupérait quelqu'un en Verso, ouais. Non, il y a personne. Je vois pas de petit avion là-bas. Bah sinon, s'il faudrait, c'est le suivre sur... Ah ben non, je sais pas s'il a le transpondeur pour ça. Non, sinon il met sa Sky, on le voit bien dessus, voilà. Et tu vois sa vitesse, sa position, son altitude, tu vois tout. Ou sur WhatsApp, tu mets sur la localisation en direct, voilà. Mais sa Sky, il est mieux. Ah, c'est impressionnant le passage en dessous, là, quand tu vas vite comme ça. Ouais. Mais là, le petit col, il est joli, c'est quand on passe un peu plus bas, là-bas. Et là, on arrive au lac. Il y a une anti-surface à gauche, là. Non, il n'y en a pas. Monsieur, ça. En fait, c'est pas une anti-surface, c'est une ferraille à avion. Mais mon gamin, c'est pareil, quand il était petit, comment se poser sur des anti-surfaces avec lui et Valérie. Dès qu'il voyait un pré qui ressemblait, oh papa, regarde, une anti-surface. Pour lui, tout était une anti-surface. Ah bah ouais hein. Dès qu'il y a plus de 100 mètres de long et 20 mètres de large, crac. En fait, Pascal, il est 10h35, 11h35 là. Ouais. On a le temps. Ouais. Est-ce que ça te dit que Patrice il a nous faire un toucher à Barcelonette? Ah juste bah, toucher. Ah bah ouais, nickel. Comme ça me fait travailler aussi, tu vois. Ouais. Ah nickel. Donc là on est dans l'entrée de la vallée. Ah on est pas loin là, ouais. 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 On a le temps hein. Large. Il est 11h35 là.
Bah ça fait travailler aussi. Ah oui, là, je voulais voir le nom de la piste ULM qui est le long du lac. L'Icro, ouais, c'est l'Icro. Là on commence à voir le lac de Serponçon à gauche là. Je vois un petit bout au niveau du barrage et ça doit être. Hein. Gérard, il est pas sur WhatsApp, Gérard? Non, il y est pas. Je crois pas. Il n'y a que Martial, mais bon, si Martial pilote, hein. Ouais, si pilote, il aura pas le téléphone avec lui, hein. Ah oui? Ouais, moi, dans les mains, je veux dire. Moi, j'ai tout le temps. Moi, de toute façon, je lui donne les infos en temps réel. Dès qu'il capte les trucs, ben, dès qu'il regarde, il saura un peu ce qu'on fait, là. Ben, sinon, mets ta position, puis ça, je vais mettre la mienne. Ben, vas-y, si tu peux, ouais. Ah bah c'est, si tu peux, je vais le faire. Partager l'organisation en direct. Une heure, voilà. Et toi le pays bon, ouais. Ah bah toi tu sais où on est. Ouais. Le barrage il est à gauche là. On fera toucher. Ah au retour on fera un petit radada alors. Je le prends sur moi, de toute façon c'est moi qui vais m'enflorer hein, quand même. J'adore passer au niveau du resto là-bas, qui est là, je sais plus comment s'appelle le village. Oh, il est vraiment bien, un bon resto d'ailleurs. Le sens du lac, ça s'appelle, c'est le sens du lac, le petit village en pointe là-bas. Ah ouais. En tout cas, après on va y passer dessous. En retour. En retour, on fera un petit radar. Magnifique ce lac hein. Ah c'est beau, t'as voulu venir des milliers de fois, c'est toujours aussi lourd. Hein. Tu pourras aller tout droit avant de tourner à gauche, voilà, comme ça, je pourrais prendre... J'aurais une vue sur... Et la montagne du Fox Romeo Delta Lima, t'es sur fréquence? La montagne, Jacques et Charlie, secteur Col de l'Arche, 10 500. Ah vas-y, vire à droite dans la vallée, doucement, voilà. C'est juste pour la vidéo, voilà. Magnifique. Ça on l'avait fait déjà avec Patrice de Pascal, tu te souviens? Ouais. Oui, on était... assez haut. Mais c'est qui conduit? C'est lui qui s'est... C'est moi qui conduit. La montagne est proche en gros, mais en sortie de... qui a préparé Echo, on est à 3 minutes du barrage de Serpençon et on va faire des évolutions entre Savine et le barrage à Saint-Elpiquenache. Donc là c'est 123.5 Barcelonnette. J'ai la carte derrière. Tu prends le géant au téléphone. Allô, papa. Ah, t'as pas essayé de les faire toi? Barcelonnette 123.5 ouais. T'es pas adepte de 120 de SDVFR? 3714. C'est trop génial comme t'as. Du coup t'as toutes les cartes vagues, tout, c'est vraiment pas bulleux. Ouais, hein. C'est vrai que... 23.5, le tour de piste à 4005, donc ça fait arriver 5000, ouais, c'est bon, tu peux descendre.
Moyen-Âge, tu l'avais mis avec gap ou pas, j'en veux le plus. Oui, c'était 1026 aussi. Ah, ça avait pas bougé, d'accord. Ouais. Alors c'est parfait. 1026, et c'était la formation Alpha. Ah, il faut pas une heure avec celui-là pour aller à gap, alors. Ouais. 40 minutes, a priori, je pense qu'on aurait mis. Alors ça, c'est sympa. Moi, j'étais venu, je t'avais même dit, pour aller au ski, tu passes de Barcelone, et même sans aller au ski, et après, tu montes à la station, tu vas dans le restaurant d'altitude, mais c'est fabuleux, quoi. Et tu y es, t'es à 10 minutes quand t'es posé. Ah ouais. C'était juste avant que vous vous pétiez la gueule avec Jean-Paul. Là. Ouais. C'était quoi qui avait merdé? C'était la... Le liquide, une météorite du refroidissement liquide. Barcelone, le France Alpha Golf, je sors de la vallée vers le lac de Saint-Romain. Ah, il va être dessous de lui, a priori. Ouais. Ah, tu veux dire qu'on arrive, on sait ici qu'au départ là. Barcelone, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, c'est un 172 de 3 personnes. En provenance d'Avignon, destination de vos installations pour un toucher, on arrive du lac de Saint-Ponçon, 5500 pieds. On a le terrain en vue pour une verticale, 5000 pieds. Alpha Golf, je rentre dans le Détroit, je suis à 5300 pieds. Ah, donc il est pas... Vers le lac de Saint-Ponçon. Ah, donc il nous a passé déjà, a priori. Mais bon, ils sont pas encore. Dans le doute. Ah oui, après on avait pris le col de... Oui. Le col de Lars, ouais. C'est ça. Bon là, on s'était... Là, ça caillait sec, hein. Ouais. Oh putain. Là tu t'en rappelles derrière, là. J'ai mis une bûche, là, quand même. Ah, il y aura un beau chauffage maintenant. On a mis un poêle à mazout. Ah, oh, mais c'est chouette, on s'était régalé, hein. On a mis un poêle à mazout. Ah oui, il est là, ok. Ah, ok. Donc, c'est un moment de membre, on a le trafic. On croise le trafic en dessous. C'est 1500 pieds pendant le temps. Ah, oui, visuel. Ok, super. Ah, tu vois, Pascal, d'où l'intérêt quand même de voler. Ah, mais c'est... Ah, c'est encore Xavier. Je t'avais pas reconnu, on est-tu vraiment manger un gap après? Ouais, je pense pas, puis ben, je vous attendrai, ouais. C'est vrai qu'elle est jolie, la serveuse. Ah, je descends 5000 pieds. Ah ben toi, là, il a même idée que nous, là, c'est un retour. Ouais. Là on voit les immeubles là. Ah oui. Et après tu prends le téléphérique. C'est vrai que c'est vraiment à côté, ouais. Voilà. Et le taxi te monte là en fait. Ouais, c'est ça. Et on était entré en stop avec le mec, on avait fait du stop, on a été pris assez rapidement, ouais. Et après t'as les trucs d'altitude là. Tu prends un ticket, c'est 2€ je crois ou 5€. Ouais. Et ça t'amène directement dans la station d'altitude. Joli. Alors le terrain approche par la gauche. On va faire une aéroco. C'est quoi? C'est MR, hein? Putain, ouais, MR, ouais.
Attends, je sais pas si on voit le terrain. On le voit sur ma forme à la bouche. Ouais, ouais. Là, tu l'as, en un petit même. Alors, quelque part par là, juste à gauche, il y avait une petite surface là. On s'est amusé. Ah bah tiens, elle est juste là-bas, tiens. Bah, le vent, il est bon, hein. 27. Vent faible. Hein. Vent faible, ouais, 27, ouais. Fox Tango Novembre, nous sommes verticales, installation 7 pieds. On va se reporter en vent arrière, plus de 27, main gauche. Ouais. Un léger composant de... Oui, de toute façon, on fait un toucher. Léger travers gauche. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Quasiment... Léger à gauche. En fait, elle est verticale. Hein. C'est gauche, mais verticale. Hein. Ouais. Bon. Bonne trajectoire, Phil. Tout va bien. Bon, là, jusque là, ça va. T'as pas perdu la main. Non, mais en plus il a plus de technique ce terrain, donc il faut quand même... Yeah. Allez. Oh, mais il y a un joli karting en dessous là, dis donc. Ouais. Ouais, il y a le Grand Prix de Barcelonnette en ce moment. Et le Grand Prix de Barcelone. Donc voilà le terrain virtuel qu'on avait trouvé, il est en face, là, juste au milieu. Là où il y avait. Je pense que c'était bien abusé, n'empêche, là. Dans pas longtemps, j'ai avoir la crampe du cinéaste. Alors voilà, le seul moment où le Cessna est un problème, ça y est, c'est plus un problème. On a dégagé. Barcelonnette, Fox, Tango Novembre, final 27 pour retoucher. Évite bien le village, alors plutôt vas-y. Ah, vraiment, je pars, viens à gauche. Ouais, ok. Bah, comme ça, on peut pas chier les gens, voilà. D'accord. Je te rentre les volets. Ouais.
Ouais, c'est ça, je trouve que des deux côtés on les fait chier, mon avis. Je repars après comme ça. Ouais, voilà, ouais. C'est... Là, on n'a pas le WT9 de Xavier. T'as vu hein? Hein Pascal? Ouais. T'as vu la piste? Elle est toute bombée en fait. D'accord. Je l'ai vaguement aperçu à un moment donné mais... Rapide. Bah tiens, tu veux la voir? Regarde, j'ai pris la vidéo. T'ajoutes. Hop, les feux. Tiens, regarde, tu vois, si tu veux voir la piste. Si, je l'ai vu après. Mais c'était moins évident comme ça. Mais effectivement, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel, on va dire. Et là, on va bien le voir normalement. Là. À l'arrondi, on le voit bien là, sur la vidéo, apparemment. Ah, effectivement, on voit qu'à l'autre bout là-bas, c'est. Ah non, c'est là, c'est là. On l'a passé la bosse là, voilà. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça on peut faire la radada sur le lac. Ouais d'accord. Et le lac il est à 2000 pieds je crois. Faut descendre à 2000 pieds. Non. Ah bon je fais, tu me dis je fais. Hein. Bah, moi ce que je propose c'est qu'on montre les minima réglementaires. Voilà, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas pour certains. Ouais. Bon, il y a une belle montagne à gauche là-bas. Par contre, du point de vue des images, hein, dès que tu es dans le soleil ou un tout petit peu, c'est la même chose. Ah oui. Mais là, on a la luminosité bordant quand même, hein, parce que... Notre... Ah oui, non, là, c'est... On a quasiment toujours le vent de... le soleil. Là, c'est magnifique, là. Un joli salé, là, t'as. Là, c'est la séquence roue du Tango de Londres. Mets-toi un peu à droite, mets-toi un peu droit dans la vallée. Droite dans la vallée? À droite, à droite. À droite hein? Ouais. Oh non, c'est pas grave, non, elle est tombée. Ce sera pas joli, c'était plus joli quand on a passé le virage tout à l'heure. Après tu veux qu'on passe à côté de l'hôtel, tu disais là-bas? Oui, je disais en rigolant. Ah ouais? Oui, oui. Et c'est un truc de malade là. Pourquoi tu dis ça? À droite, bah, c'est magnifique. Ah, ah oui, bah, c'est beau les rochers là. Hein. C'est-à-dire que là, t'es haut et t'es bas en même temps. C'est ça. Mais là tu peux montrer des choses en haut, contrairement à l'habitude où tu montres en bas. Yeah. Ah c'est beau hein. Mais d'un coup on a l'impression d'aller vite. Ouais bah descends un peu à ce moment là. Ouais on arrive sur le lac. Ou quoi là-haut là? Ouais c'est un truc vauban. Ah ouais.
plus comment ça s'appelle. Je vois même une tour pointue là. Oui, c'est ça, c'est ça. Incroyable ça. Ça s'appelle. Tu le vois Ouais, là, il y a une espèce de tour, on dirait le château. C'est Saint-Vincent-les-Forts. C'est un truc Vauban. D'accord. Après, t'as Saint-Jean. Saint-Jean-Montclair. Lima de Foix, le Marseillais. Il défonce à son pistol de droite, de toute façon. Bon, de droite, c'est son pistol. Bien sûr. Et donc, en plus, dans SDVFR, si je mets ça, ou même pas, si je mets ça plutôt. Voilà, hauteur. C'est à hauteur. Oh, bah ça va, pied. Ouais, bon. Tu peux descendre plus bas, deux fois plus bas. Tu peux descendre à 3003. Ouais. Et à ce moment-là, reste bien sur la rive gauche. D'accord. Moi, je vais filmer à droite là. Je te dirai quand on sera à 500 pieds sol. Ok. Là, on est à 1000 pieds. Donc tu peux même aller à 1200. Lima Charlie, de tour. Lima Charlie, j'écoute. Oui, vous êtes où? Alors on est entre novembre et... Alors je fais 500 pieds seul alors. Ouais. D'accord, on déconne. À 3003, tu seras parfait, voilà. Voilà, à ta vire un peu à droite, le resto il est là-bas. Hôtel Alpha. Ça va, je suis on va faire un, on va rentrer dans le lac. Ça marche. Hein. Je vais dire à combien on est là. On est à 700 pieds sol, tu restes comme ça, tu es très bien. Je sais pas qu'on lance le tour de ski, on tient de rappeler, on peut rien voir. On peut rien, si c'est possible, on prendra la principale pour la. Ok. Non, par contre, je sais pas s'il est pas en pente le lac. Bon, lève un petit peu ton aile. Hop. Ok, c'est bon, allez vire à droite. Ça tu vas me faire un 180 dans le... On va remonter le lac, vas-y. Reste bien le long de la... Faut toujours rester au bord, vas-y, reste bien au bord. Allez, incline. Reste bien en palier. Allez, incline. Donc voilà la hauteur minimale au-dessus du lac. On est même en dessous hein, de la lumière. On est un peu au-dessus, ouais, fait 180, c'est pas la peine d'aller plus loin, on est fait comme tu veux. Allez. C'est toi qui te... Ben là, on va voir la chapelle, on prend la chapelle. Allez, ça prend la chapelle en photo. Ouais. Allez, jolie en plus. Et en plus, on est en... Alors si ça t'embête pas de faire un virage par la droite, on s'assurerait à la caméra, voilà. Ah, et là ça fait une jolie vue en plus. L'eau est belle hein. Ah, salut, bonjour. Salut India, bonjour. L'eau est magnifique hein. Il va y avoir 500 feux d'eau ce soir. Regarde, la route elle est immergée là, tu l'as ah vu. Ouais, ouais. Bon là tu feras... Tu vas... Hôtel India, 1026 Tokenage, tu pars et... Voilà, comme ça tu fais un 360 autour de la chapelle. Alors, on peut passer sous le pont là. Dis-moi Charlie. Ah oui, c'est vrai. Arrière, main gauche. Juste pour frapper visuel et ça sera derrière. Derrière, on va faire le visuel. Allez, on peut tourner. Tant qu'on la dépasse pour que tu la gardes dans le viseur. Allez, c'est parti. Allez, 360. On va en faire un match. On va rien de faire. Ça vaut ce qu'on a visé sur un avion, on voulait. Ok, on l'a pas fait d'eau. Oui, reçu. Cap info de Fox Tango Romeo, de retour d'un vol local, vertical Echo 4500 pieds.
Ah bah c'est pas là qu'on va arriver, nous aussi. Bonjour, 1028, Éco-Unité. Rappel Éco-Unité, Foxtango-Romeo. Hôtel Whisky, on est de retour sur les crêtes à l'est en descente vers Sierra Unité. On doit passer partout à cette altitude-là. Sur Unité, 1028. Hôtel Whisky. Mais ça c'est génial, toi on est à 900 pieds sol. Ah ouais, c'est fun. Ça te donne, il a la base de données du relief. 900 pieds sol, on est là. Là on est à 920 pieds là, ouais. Ah quand même. Hôtel India, c'est un ULM qui approche de Sierra Unité depuis le plateau à l'ouest. Sur Apple Final Vert, mais va charger. Le SAMU, le congé à condensateur, le vent calme, un rapide est dégagé. C'est la fin, on va de gauche sur la 0-2. Reçu, les deux pistes, ça sera la ça sera les co-unités, voilà. Mini-piste pour l'hôtel à la face, copier. Et en plus, bah, vous avez même là, les cours là, voilà. Éco-unité, c'est le carrefour, il se voit vraiment bien, c'est le carrefour de la route. Ah oui. Ah putain, j'enlève le chauffage, parce que ça chauffe. Reçu. 110 nœuds en descente, hein. Putain, ça bombarde. Hein. Ah, tu veux pas poser sur le barrage alors? Je laisse passer à Pascal au retour. Le barrage, Ah, fais gaffe, les lignes. Et là on est clair. Ah fais gaffe à le passe haut quand même. Vire à droite. Vire à droite et passe au-dessus des pylônes. Voilà. Ok. Au-dessus des pylônes, t'auras jamais de ligne. Voilà, tu passes, tu vises un pylône et tu le vises. Voilà, là t'es tranquille. Ah oui, c'est vrai qu'elle est haute là. Ah oui, fais pas gaffe, là, faut pas rigoler là. Foxtango Romeo, vertical éco-unité à 3500 pieds pour une intégration en base. Bon, le plus drôle, c'est qu'on avait décollé du barrage. Oui, je vous rappelle, Tango Romeo. En virtuel. Regarde le pont là-bas. L'image. Ah ouais. Là où tu vois que c'est pas possible. Derrière le PC. Voilà, quand tu as une ligne, toujours viser les pylônes. Il y a une histoire. Rappelle-toi quand on rentre de Chambéry avec Thierry Mort. Ah oui, effectivement, dis donc qu'ils sont pas où là. Ah oui, oui. Sécurité, c'est de viser les pylônes. Peut-être contrôler par le salade pas, derrière le. Et quand tu es dans une vallée, tu fais pas que ton regard il reste figé, tu balayes. Je pense bien. Regarde à gauche, à droite. Reçu. Bah tu peux t'annoncer. Oui, une minute d'écho, on est à peu près. Ouais, deux minutes. Et là, les barrages, je pense qu'on va les avoir. Tango Romeo, rappelé en début de base main gauche piste 20. Rappelé en début de base main gauche piste 20, Tango Romeo sera pour un toucher sur la 20 herbe. Reçu. Parce que là, du coup, il n'y aura pas de vent arrière, rien, on va arriver directement en base. Oui, en base, quasiment. On est charge max, on est coincé, on va couper. On... Ok. Hôtel India, rappelez début de base, début de vent arrière, main gauche piste. On est à 8 minutes. Reçu rapidement, rappelez dégage. Ah, il ne doit pas nous avoir. Hôtel Alpha, on essaie de monter un petit peu à droite. Compte pour du largage. Reçu, je te rappelle. Tango Romeo, c'est pour l'herbe. Oui, c'est bien pour l'herbe. Faut que Tango Romeo a touché. Pour l'herbe, hein. Affirme. Reçu, rappel final 20 herbes. Hôtel Alpha avec le visuel sur le trafic en dernier mirage 20 herbes, décollage à convenance 20 herbes. J'ai copié avec le visuel, on décolle pas l'hôtel Alpha. Dans un bureau, faut piquer ça, mais. Reçu, à Pétain. Alors. Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Tango Novembre 512, 3 personnes à bord en provenance de Barcelonnette. On est à 1 minute du point Echo pour une intégration dans vos installations en vue d'un complet. On a pris l'information Alpha. Reçu du parachutage avec 1025 au QNH, rappelé approchant Echo Unité. On rappelle approchant Echo Unité pour Tango Novembre. Je vais reprendre l'IMAT Tango Novembre. Fox, Golf, bravo Tango Novembre. Merci. Bravo, bon.
Le Fox Tango Romeo est en finale. C'est la finale ou c'est ça, ouais. Reçu touché à contre-temps, seulement clément derrière main gauche. Écho, il était un tout petit peu à droite, on va voir après. Ouais. Hôtel Indial, vous êtes quelle position? Hôtel Indial, je vais arriver face à la tour dans même pas 30 secondes. Vous voulez dire ouais, en face de la tour avant arrière? En arrière, oui. Ok, rappelez basse gauche, piste 20. Celle basse gauche, piste 20, Hôtel Indial. Gap, Victor Bravo, bonjour. Victor Bravo. Oui, un des 20 Fox, Juliette, ici Victor Bravo de Saint-Aubin. Je vais caresser un 3000 parce que je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Oui, je suis un passant Sierra 1025 au pied. Ouais, je suis plus dégagé, je suis en même route que vous rentrez par Sierra sur la Sierra. Dis-lui l'approche est coïncée. On ouvre l'œil et donc on rappelle passant Sierra Victor Bravo. Ici on est début de vente arrière 20, rapproché pour le recueil et visuel sur les deux trafics qui sont devant. Bien reçu, sur la séparation, rappel dernier virage recueil. Ah, il y en a là-haut. Hôtel Whisky. On approche Eco Unité, on a les installations en vue. À 4000 en montée vers Eco. Alors pour le trafic, approche Eco Unité, rappelé en début de base main gauche, et j'ai un ULM qui est en vente arrière rapproché, vous assure la séparation. Hôtel India, j'ai un trafic sur Econité. 2007, voilà. Entrée en base. Bien reçu, j'ouvre l'œil. Alors, si c'est pas déjà trop tard, Victor Bravo, je vous suggère une trajectoire d'attente sur Econité. J'ai plusieurs trafics en vente arrière. Non, Victor Bravo, passe Sierra. Vers Sierra Unité. Non, c'est pas pour Victor Bravo, c'est pour Tango Novembre, pardon. Oui, je sais pas où vous êtes, mais j'ai plusieurs trafics en vente arrière. Je vous suggère une trajectoire d'attente, je vous rappelle. Ah, sinon on était en milieu de base. En orbite avant la base sur Sigui. Eco Unité. Milieu de base pour la principale, qui va être dans tes midi un peu plus bas. Là. Ah, du coup, on est en même temps, Tango Novembre, on est autorisé ou pas? Oui, je suis rappel contrôlé. Là. Il y a un appareil qui est à gauche, là, au-dessus du château. Rouge. Fox Eco Papa de nouveau pour rouler au point d'attente. Fin de oui, reçu. Rappelez prêt. Je rappelle à fin d'après Fox Eco Papa. Delta Lima, retour de local, j'intègre directement Sierra Unité dans 3 minutes. Là, il vire en base là. Hôtel Unité, ouais. Je passe en base pour la piste 02 à Gap. Oui, rappelez Final 20 Herbe, Hôtel India. Je rappelle de Final 20 Herbe, Hôtel India. Et j'ai plusieurs trafics sur Sierra Unité. Oui, le Victor Bravo arrive Sierra Unité. Victor Bravo, rappelé début de vente arrière main gauche. Rappel début de vente arrière main gauche, Victor Bravo. Gap Info, Delta Lima. Oui, Delta Lima. Delta Lima, j'ai visuel sur l'appareil qui approche de Sierra Unité et j'intégrerai juste derrière Sierra Unité directement par l'ouest. Oui, reçu sur la séparation Delta Lima. Delta Lima. Tango Novembre, donc j'ai perdu votre visuel, rappelez en début de base main gauche piste 20. On est en début de base main gauche, Tango Novembre. Et Hôtel Whisky, on a contrôlé en remontant la recueil. Ouais, j'y vais, ouais. Monsieur. Fox Tango Romeo, on passe en début de base pour la 20 mini pour dégager un peu le trafic. Vas-y, on va la venir. Rappelez en finale 20 mini. Ouais. Et si vous pouviez tourner rapidement, j'ai un 16 nage juste derrière qui rentre en base. Un visuel sur un appareil de Lima. Oui, reçu. Le voie devant Novembre, vous avez un ULM qui rentre en base. Oui, un visuel, on passe derrière, Tango Novembre. C'est parfait, donc il prendra l'herbe ou la recueil. Hein. En poursuite, Tango Novembre. Vas-y, Hôtel Whisky pour couper les axes nord-nord. C'est bon, je vois. Mets-toi pour la volée. Très rapidement. J'espère. T'as chaud l'arrivée. Ouais. Là, pour le baptême de reprise, là. Ça va. 20 VM vient par là, comme ça lui, il va prendre la... Mais il faut pas qu'on aille trop vite non plus. Il va prendre uniforme, vertical, écho, je quitte la fréquence. Reçu, au revoir. Hôtel India, ce serait pour dégager sur la piste auxiliaire, hein. Alors, rappelez dégager par... Oui, vous voulez remonter la mini? Exact. Bah allez-y, rapidement. Et du coup, le Fox Tango Romeo, ce sera l'herbe, donc on arrive en finale. Ouais, bah c'est parfait, rappelez contrôler l'herbe. Ça prend un toucher, Fox Tango Romeo. Descends, on est où, hein? Reçu. Lima, unité. Descends et réduit. Tango Novembre, donc le précédent, c'est pour la 20 herbe un toucher, la 20 principale à convenance, vent calme, rappelez contrôler.
sûr. Et qui est en bras, c'est bien ce qu'on vient d'aider. Rappelez base gauche, piste 20. Rappel base gauche, Victor, bravo. Delta Lima, je viens de passer Sierra Unité vers l'avant-arrière ULM. Reçu devant vous, Lima Romeo et Delta Lima. Il y en a qui remontent la piste auxiliaire, il y en a qui pèsent sur l'herbe et lui qui pose sur la dure. Ouais, reçu. On est un petit peu rapide, je pense. Non, c'est combien celui-là, c'est ça 65 plein volé, ouais. Ouais, voilà. Ah bah, il est pas plein volé, là, voilà. Mais laisse-le comme ça, voilà, ça va aller. La montagne, bonjour. DR400, Fox, Golf, Echo, India Uniforme en provenance de Gap et à destination de Saint-Crépin. Actuellement à la verticale du barrage de Serponçon à 6600 pieds. India Uniforme, vous êtes toujours sur Gap Info. Ah bah il y a JB aussi, ah non. Mars, tu prends la mini? Ouais, on va voir ça. Autolité, j'ai dégagé les laps 20, c'est pour se garer en face de G1. Oh, l'arrivée. C'est excellent ça. Victor, bravo, ce serait pour la principale? Oui, pour la principale, pas de problème. Ouais, je suis rappelé final 20, principale. Rappel final principal, Victor, bravo. Delta Lima, j'arrive travers tour ULM pour un complet sur la mini. Reçu, rappel dernier virage avec le précédent, bientôt dernier virage pour la principale. Visuel Delta Lima. Lima Romeo sera numéro 3 et on prendra l'herbe. Reçu. Tango Novembre, c'est dégagé. Reçu, Tango Novembre. On va se à côté du mousquetaire là-bas. Gap, Fox, Juliette Golf, Delta Golf, bonjour. Delta Golf, bonjour. WT9, 2 personnes, Albertville, vers 20 km. Ils sont reposés vers où alors? Reçu, rappelé passant novembre, Delta Golf, que l'Union QNH 1025 avec du parachute à l'encontre. 1025, je vous rappelle novembre, Delta Golf. Victor Bravo en finale. Ah, c'est lui qui arrive. Hôtel Indio, parking pour quitter la fréquence. Delta Lima, t'as un trafic hein, en finale. Affirme, je vais prendre la mini. D'accord, je vois pas si t'es derrière ou devant. Ah, derrière, Delta Lima. Ok. Non, ça peut être. C'est lui. Attends, voir. Je vais continuer. Côté Roméo, on arrive travers tour, point complet, piste 20, herbe. Alors, ça, c'est un. Ah, c'est regardé. Reçu, le vent calme, rappel base gauche, piste 20, herbe, Tango Roméo. Le base gauche, piste 20, herbe, Fox Tango Roméo. Roméo Québec, bonjour. Bonjour, Étienne, papa, Roméo au Québec, Zodel, tout à fond à bord, pour faire l'intervention pour l'écho 4400 pieds. C'est Fred? Yes. Et bonjour Fred, bien pris 1025, rappel écho unité. 1025, écho unité. Lima Roméo pour traverser, bravo. Lima Roméo, on le repoussera. Delta Lima, pareil. Ouais. Reçu, on le suivant. Victor Bravo, on a libéré pour le parking. C'est bien pris. Delta Golf en face de novembre, des reconnités. Delta Golf, rappelé Echo Unité. Rappel Echo Unité, Delta Golf. Fox Tango Novembre, on est au parti pour quitter la fréquence. Bien pris, à plus tard. À plus tard, merci. Heureusement que tu as réservé, parce qu'on a dit, il va y avoir du monde. Ah oui. Avec le temps qu'il y a. Le Fox Tango Novembre est en place, piste 20 herbe, point complet. Tango Romeo, rappelé final. Ok, oh attention merde. La caméra. Excuse. Ah non, ça va. Tiens, regarde, ça va faire une vision originale. Hop. Attention pour une synchro finale. Il y a une synchro finale. Ah, il y a aussi, il y a tout là. Il y a attends, la totale. Attends, je vais... Ah merde, il va nous la mettre la synchro finale. 20 secondes, je te fais la synchro finale. Ça y est. Non, alors, c'est bon. Attends. Elle est passée. Elle est passée, merde. Alors, on a 1h35 sur le bazar là. C'était juste au niveau caméra, non? Ah non, non, il y en a qu'une qui a. Qui a lâché prise. Ah bah oui, forcément, c'est celle qui est derrière toi. Ok. Alors, on va faire l'inverse. La 4 est déjà éteinte. La 3. La 2. Ok. Merde. Ne vous inquiétez pas, je gère. Tu dis quand de mettre le frein main? Il est où? Ah oui. Ouais, stop. Allez, c'est bon.
On est passé à deux doigts d'une cata. Tiens pas. Tiens pas trop. Si peut-être tu freines.